j'ai fait démarrer la vidéo un petit peu trop tardive. Quelle est l'inspiration là, Christine? Alors l'inspiration, c'est le Pacifique. Ah. C'est le jaillissement de l'eau du Pacifique, car il est allé au cœur du Pacifique pour voir les baleines. Ah. Et ça lui a inspiré ce mélange de couleurs et surtout ce mouvement et ce jaillissement dans l'eau qu'on voit quand les baleines sortent. Et ce très beau vert turquoise là-bas. Ou le Japon. Alors vous avez parti du Japon. Il a exposé à Kyoto. Ah, sans arbre. Il a exposé à Kyoto l'année dernière en octobre. Et c'était les deux tableaux phares. D'accord. Qui ont fait un tabac au Japon. Et donc, sauf ceux qui royal, sont restés. Oui, alors, pardon, je vous ai coupé. Non, sauf ceux qui sont restés à Kyoto. Oui, d'ailleurs. Oui, j'imagine. Alors, le prochain voyage, c'est Vienne, en octobre. Nous avons une très grande exposition dans une galerie qui s'appelle la Galerie Steiner. Oui. Qui va d'ailleurs, tellement ils sont enthousiastes, emmener 4 toiles à Shanghai pour les exposer à Shanghai Art Fair International en novembre. Alors, voilà. Écoutez, félicitations. Donc, alors, on peut, une fin d'année qui va être très précise. Ah oui, 2014, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Je vais aller voir l'artiste. Voilà. Tout de suite. Je vais aller vous le chercher. Oui. Merci beaucoup.